Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de My Hero Academia de Strongest Hero. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler est-ce que la hype, est-ce que l'engouement va revenir comme dans les premiers jours, voire les premières semaines. Là, on va bientôt arriver à un mois après sa sortie du jeu. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Pour ça, on commence. Est-ce que la hype va réellement revenir? Eh bien, je vais vous dire oui. En dehors des problèmes, que ce soit dans l'Alliance Drill, que ce soit les problèmes de codage, les bugs, les déconnexions, les pertes de compte et de liaison de compte, en dehors de ça, la hype pourrait revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est tout simplement que le jeu pourrait rebooster ses statistiques de téléchargement au moment où la langue française va revenir. Du coup, on est à quoi? 3 à 4 semaines avant sa sortie. Si sa date n'a pas changé, vu qu'elle est toujours prévue pour courant juin. Et la deuxième raison, c'est que d'ici la sortie de la langue française, on pourrait avoir des corrections de bugs, de lag, de tous les problèmes pourraient être réglés d'ici là. Enfin, pas tous, mais là, une bonne part. Et pourquoi pas un taux de drop amélioré avec la pitch plus rentable pour tout le monde. J'allais dire pour les free to play, mais non, pour tout le monde. Maintenant, la deuxième raison, quand est-ce que réellement la hype pourrait revenir en dehors de la langue française? La langue française, c'est vrai, c'est un atout pour le jeu, vu que la plupart des joueurs européens, enfin une bonne part des joueurs européens sont français, et qu'on est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga et d'animé dans le monde. Ça, c'est le deuxième point qui pourrait nous faire revenir en tête de course pour le jeu. Et le troisième facteur, c'est simple, c'est l'ajout des personnages. L'ajout des personnages, je vais m'expliquer. Vous savez que Dabi a été leak et que Dabi est l'un des persos les plus aimés de la licence, que ce soit dans l'anime ou dans le jeu. Ou dans le manga, pas dans le jeu, parce qu'il n'est pas encore dispo. Mais même quand tout le monde a vu, enfin quand la plupart des joueurs ont vu les gameplays de Dabi, Endeavor, Stain, Shigaraki, celui qui a été le plus aimé était celui de Dabi. Mais ce n'est pas tout, les amis, ce n'est pas tout. L'ajout des futurs personnages, que ce soit Mirio, le Million, enfin le Big Tree, Grand Torino, les futures versions de Midoriya, de Shoto, etc. Les autres classes, les personnages des autres lycées et tout. Vous allez voir que la hype va revenir à un point que vous ne puissiez imaginer. Le jeu a des très très grandes chances de réussir, même s'il a d'énormes bugs et même s'il y a eu un drama récemment concernant ce jeu. Mais à part ça, les personnages, les events, les bugs, tout sera réglé, tout sera ajouté au fur et à mesure. Des mises à jour, des maintenances, des avis, des critiques des joueurs. Vu que les développeurs sont vraiment de plus en plus à l'écoute des joueurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Enfin, moi, personnellement, ça, j'apprécie énormément. On voit pas ça dans tous les jeux, ou par exemple dans DB Legends, dans One Piece Bounty Rush, où ils ont toujours pas réglé les problèmes de connexion, les problèmes de lag, les bugs de téléportation à droite à gauche, les TP, les cheats, etc. C'est ça qui est bien concernant APU Japan, concernant globalement, généralement, My Hero Academia de Strongest Hero. Du coup, voilà. Pour ma part, la hype
va revenir d'ici quelques semaines. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et demain, je vous prépare de très grosses vidéos concernant les news, concernant d'autres jeux, concernant pas mal de choses qui pourraient arriver sur la chaîne. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.